Donc, ben écoutez, on se retrouve pour le pronostic Quintet Plus de ce lundi 27 juin 2022. Donc, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. N'hésitez pas, les amis, à mettre un max de pouces bleus, à partager, à vous abonner et à commenter. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne YouTube DramaCorp, qui est en description sous la vidéo. Vous avez le lien ou dans la section communauté. Donc, j'attends, voilà. Que vous abonniez, que vous partagiez la chaîne et les vidéos, ainsi que mettre max de pouces bleus sur les vidéos. Ceci étant dit, ce soir, il y aura une nouvelle vidéo ou demain sur ma nouvelle chaîne YouTube, donc Drama Corp. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à venir vous y abonner. Allez, sur ce, les amis, allons-y pour le pronostic Quintet Plus. C'est parti, on y va. Donc c'est la réunion 1, course 1, à Lyon-Paris-Ly. C'est le prix Fédération des courses du Centre-Est à 13h50. C'est du plat sur 2000 mètres. Il y aura 16 partants, 50 000 euros d'enjeu. C'est un handicap divisé, une corde à gauche et une piste en herbe. Alors, mon niveau de confiance est de 4 sur 5 pour cette course-là. Et il y a un non partant, c'est le numéro 4. Voilà, il est non partant, donc ne vous obstinez pas à le mettre, il n'y sera pas. Mon favori. Donc on va partir sur le pronostic, je commence avant l'heure moi. La liste des partants, la voici. Donc comme vous le voyez, le 4, The Laureate, est absent de la course. Donc voilà. Et on y va pour le prono, les poteaux, c'est parti, en avant Toto. N'attendons plus. Donc mon favori sera le numéro 3, The Thunder Speed, qui sera monté par Guillaume. Ma base, ce sera le 7, Go With The Wand, monté par Pasquier. Mes outsiders seront le 1, Kabir, monté par Hardwing. Le 12, King Motif, monté par Orani. Et le 2, Vent contraire, monté par le maître. Mon regret sera le 14, Centurin, monté par Forest. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 3 et le 7. Mon 2 sur 4 combiné sera le 3, 7, 13. Mon couplet sera le 3 et le 7. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 3, 7, 13. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 3, le 7, le 13 et le 1. Mon tic 3 sera le 3, 7, 13, 1, 16 et 12. 3, 7, 13, 1, 16. Là, je vous disais le multi en 7, un champ total. Qui sera d'ailleurs le 3, le 7, le 13, le 1, le 16 et le 12. Mon multi en 7 normal sera le 3, 7, 13, 1, 16, 12 et 6. Et pour ce qui est de ma sélection ou de mon jeu à 8 chevaux pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8 que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 3, le 7, le 13, le 1, le 16, le 12, le 6 et le 2. Et mon cheval de complément sera mon regret, le numéro 14. Donc les amis, voilà pour le pronostic Quintet Plus de ce lundi 27 juin. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter et d'aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo ou dans la section communauté avec une vidéo qui sort ce soir ou demain à la clé. Allez, bye bye les amis. Bonne journée à tous. Hop. Allez, on va noter la vidéo. Et on part pour mes trois bases.
Et bonjour tout le monde. Donc, écoutez, on se retrouve pour mes trois bases du Quinté Plus de ce lundi 27 juin. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo ou dans la section communauté avec sur cette chaîne-là Drama Corp une nouvelle vidéo qui va sortir ce soir ou demain. Et je vous invite à mettre un max de pouces bleus sur les vidéos, de les partager, de vous abonner sur la chaîne Drama Corp en mettant bien la petite cloche. Voilà la chaîne qui a besoin de vous, donc n'hésitez pas à venir et commenter, bien entendu. Allez, sur ce, n'hésitez pas et allez-y. Et on y va pour mes trois bases, les amis, avec mon favori pour commencer, le numéro 3, Thunder Speed, qui sera monté par Guyot. C'est Ferland, l'entraîneur. C'est un mâle de 5 ans. Donc, ses dernières courses, 7e, 4e, 2e. Donc, à voir ce que ça peut donner sur le terrain, mais je le trouve pas trop mal, moi. Donc, à voir. Hein. Après, on peut se tromper, hein. On n'est pas devin. Donc, 21 courses courues, 3 victoires, 9 fois 2e et 3e, 9 autres, 57% dans les 3 premiers. Donc, cheval assez intéressant. Ma base, les amis, qui sera le numéro 7, Go With The Wind. Donc, celui-ci, ne l'oubliez pas, ce sera sûrement le favori de la course. Donc, c'est Pasquier aux manettes, Gobey. Désolé. Gauvin l'entraîneur, c'est un mâle de 5 ans. Donc, ses dernières courses, 5e, 1er, 4e. Et 25 courses courues, 4 victoires, 2 fois 2e et 3e, 19 autres, 24% dans les 3 premiers. Alors, je le mets en base. Il sera sûrement le favori de la course, mais faites très attention tout de même. Montoka sera le numéro 1 Kabir qui sera monté par Hardway. C'est Wixt, l'entraîneur. C'est un nombre de 7 ans. Donc 16e, 7e, 6e, 3e pour ses dernières courses. Donc Tokar, je trouve qu'il peut faire le job. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il a tout le potentiel pour le faire. 34 courses courues, 10 victoires, 10 fois 2e et 3e, 14 autres. 59% d'aller 3 premiers. Encore désolé, 59% dans les 3 premiers, donc je pense que le taf peut être réalisé. Donc voilà les amis pour mes trois bases du Quinté Plus. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et on se retrouve pour ma dernière minute. Bye! Je suis épuisé les amis. Mon Dieu! Pour la dernière minute, c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour ma dernière minute du Quinté Plus de ce lundi 27 juin 2022. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et n'hésitez pas. Désolé, c'est horrible quand on sort du boulot, c'est horrible. N'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo ou dans la section communauté. Donc n'hésitez pas à la partager sur tous vos réseaux sociaux, à vous y abonner, à commenter, à partager et à vous abonner et à mettre un max de pouces bleus les amis sur chaque vidéo. Allez, ceci étant dit, allons-y pour ma dernière minute. C'est parti. Donc ma dernière minute sera le numéro 5, Electron Libre, donc qui sera monté par Crastus. C'est Escuder, l'entraîneur, c'est un nombre de 7 ans. Donc ses dernières courses, 16e, 8e, 13e. Alors voilà, moi il m'a pas trop plu par rapport à ça. Après je peux me tromper, hein, mais voilà, je le trouve un peu derrière. Donc je mettrai une petite pièce dessus. Désolé, une petite pièce dessus histoire de me couvrir. 49 courses courues, 8 victoires, 8 fois 2e et 3e, 33 autres, 33% dans les 3 premiers. Donc voilà, une petite pièce, je pense, me suffira. Voilà, histoire de me couvrir un peu au cas où. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Max de pouces bleus, partagez, abonnez-vous, commentez et on se retrouve pour le Pick 5. Bye!
Et bonjour mes potes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Et bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et n'hésitez pas à aller voir ma nouvelle chaîne YouTube DramaCorp en description sous la vidéo. Et à vous y abonner, à partager les vidéos ainsi que la chaîne sur tous vos réseaux sociaux, à commenter. Et une nouvelle vidéo va sortir ce soir ou demain. Allez, sur ce. Allons-y pour le pronostic Pick 5. Alors, cette fois, il n'y aura que deux courses. Hein. Les quatre courses, c'est aujourd'hui dimanche. Mais il n'y aura que deux courses. Donc, on commence tout de suite, les amis, avec la première qui sera la R1C6 à 16h45 à Lyon-Paris-Lille. C'est du plat sur 1350 mètres et il y aura 13 partants. Mon pronostic Pick 5 sera le 12, 8, 11, 5, 1, 3, 13 et 7. Mon regret sera le 4 et mon jeu simple, mon favori, sera le 12. Pour la deuxième course, ce sera la R1 C8 à 17h55 à Lyon-Paris-Ly. C'est du plat sur 1350 mètres. Sur 2000 mètres, pardon, et il y aura 15 partants. Mon pronostic pick 5 sera le 11, 5, 4, 12, 9, 10, 14 et 1. Et mon regret sera le 13. Oula, j'ai oublié de le changer, les amis. Oh, je sais pas pourquoi. Tac, tac. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, c'est rectifié. Hop. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. Max de pouces bleus, partagez, abonnez-vous, commentez. Et on se retrouve pour ma dernière minute. Pour ma dernière minute. Sur ma nouvelle chaîne YouTube DramaCorp. Un lien en description. Et on se retrouve pour la réunion 1, que ce soit sur les deux chaînes. Bye. Allez, on note la vidéo. Et on part pour le dernier. Désolé. Et on part pour le dernier prono de la journée de ce lundi. Et bonjour tout le monde. Donc on se retrouve pour le pronostic jeu simple 2 sur 4 combiné. Ou couplé de ce lundi 27 juin 2022. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et n'hésitez pas les amis. Alors là, je compte vraiment sur vous, sur toi, 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 lui, toi, elle, toi, toi. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube DramaCorp. C'est la mienne. Elle est en dessous, ici en description. Et prochaine vidéo qui sort ce soir ou demain. Et n'hésitez pas à aller voir ceux qui sont déjà présentes, à mettre un max de pouces bleus dessus, à les partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne, bien entendu. Allez, sur ce, allons-y. On va essayer de le faire en entier cette fois sans bailler, mais ça va être dur parce que je tombe de sommeil. Donc, voilà, ça va être compliqué. Donc, la réunion 1 qui se déroulera à Lyon-Paris-Ly à 13h50. Il y aura 9 courses. Et ce sera du plat sur toute la réunion. Alors pour la course 1, mes chevaux seront le 3, 7, 13. Mon favori sera le 3. Pour la course 2, mes chevaux seront le 1, 11, 7. Mon favori sera le 1. C'est terrible, j'arrive pas à savoir comment me mettre. Pour la course 3, mes chevaux seront le 2, 5, 8. Mon favori sera le 2. Pour la course 4, mes chevaux seront le 6, 13, 11. Mon favori sera le 6.
pour la course 5. Mes chevaux seront le 6, 3, 2. Mon favori sera le 6. Pour la course 6, mes chevaux seront le 12, 8, 11. Mon favori sera le 12. Pour la course 7, mes chevaux seront le 4, 5, 2. Mon favori sera le 4. Pour la course 8, mes chevaux seront le 11, 5, 4. Mon favori sera le 11. Et pour la course 9, mes chevaux seront le 9, 2, 10. Mon favori sera le 9. Donc, les amis, voilà pour le pronostic de la réunion 1 à Lyon-Paris-Lille. Départ 13h50 pour ce lundi 27 juin. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter et d'aller voir ma nouvelle chaîne YouTube en description sous la vidéo ou dans la section communauté. Donc je tombe de sommeil les amis, je vous laisse et passez une excellente journée. Bye!